Vous êtes sur RTL. Si Myriam. C'est moi. Oui, et moi c'est Thomas. Et l'horoscope. L'horoscope, c'est pour qui? Oui, c'est pour nous, puisque c'est le moment de savoir ce qui vous attend et comment bien aborder ce vendredi avec les bons conseils, évidemment, de Christine Haas. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Cancer, Vénus atteindra votre troisième décan dans la soirée et en harmonie avec Pluton, elle vous promet de l'érotisme, du plaisir, des moments un peu chauds, brûlants. Lion, né en juillet, Mercure vous quitte pour retourner en Cancer. Il semble que vous serez moins nerveux, vous vous sentirez moins révolté contre le système. Vierge, Vénus va être en rapport avec votre troisième décan. Que des bons moments à prévoir, surtout si vous avez des projets de vacances qui changent un peu de l'ordinaire. Balance, née après le 13 octobre, Mercure rétrograde est en relation avec vous. Il y a probablement un souci avec un proche et une décision à prendre à son sujet. Scorpion, on continue à parler de Mars parce que c'est votre planète et qu'elle est forte en ce moment. Essayez de ne pas être trop victime de votre sens du devoir. Sagittaire, un chouïa de frivolité ne vous nuira pas, au contraire, troisième décan. Vous en avez plutôt besoin parce qu'on a beau dire, la frivolité peut être un facteur de détente. Capricorne, troisième décan, Mercure revient face à vous et va y stationner quelques jours. Vous avez probablement une réponse à attendre ou à donner, ce sera après le 1er août. Verseau, Uranus va bientôt rétrograder, la semaine prochaine pour tout vous dire. Et les remous intérieurs que vous avez vécus récemment vont enfin s'apaiser. Poisson, ce soir la Lune sera chez vous, natif de février. Elle ne forme pas d'aspect, aussi serez-vous simplement plus rêveur, plus sensible et plus intuitif que jamais. Bélier, premier décan, vous êtes encore dans les petits papiers de Mars. En revanche, le retour de Mercure en Cancer va gêner le troisième décan parce qu'il faudra réfléchir et non agir. Taureau, premier décan, vous serez sensible à la rétrogradation d'Uranus à partir de la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à début 2020 pour assimiler un changement. Gémeaux, deuxième décan, les bons influx de Mars indiquent que vous ne tiendrez pas en place jusqu'au 2 août. Plusieurs petits déplacements pourraient être au programme. Bonne journée. Bonne journée à vous Christine. Christine Haas, que vous retrouvez, je vous le rappelle, chaque semaine dans TV Magazine et quand vous le voulez, au 32 10, 50 centimes la minute.